Nous allons confier l'organisation au Seigneur, toute l'organisation au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu nous as confié une mission en tant que croyants, en tant qu'église, c'est d'aller faire des nations des disciples. Seigneur, merci pour cette œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Et pour cette veillée de demain, nous avons besoin d'une onction spéciale. Seigneur, viens déployer une onction de guérison, une onction de restauration, une onction de miracle. Donne aussi la sagesse et l'esprit d'organisation, afin de pouvoir, n'est-ce pas, conduire et bien mener, Seigneur, cette veillée. Nous comptons sur ta main et merci de te manifester. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Voilà, je tenais à vous dire merci pour ceux qui sont... coupe pas la vidéo. Pour ceux qui sont présents maintenant. Et je tenais à confirmer la veillée de demain. Nous sommes aujourd'hui à cette date de jeudi 5. Nous venons de finir la toute dernière réunion technique et de prière par rapport à la veille de demain. La veille aura bel et bien lieu à Noisy-le-Sec à partir de demain. Mais les horaires changent. Au lieu de 20h, nous aurons accès à cette salle à partir de 21h. Vous savez bien que Paris, c'est comme ça. Les gens, les salles sont toujours louées. Sont toujours louées et ça sert des églises. Je pense que l'annonce qu'on vient d'avoir ce soir, c'est que nous aurons accès à cette salle à partir de 21h. Voilà, nous aurons accès à cette salle à partir de 21h. Mais néanmoins, il y aura toute l'équipe déjà à partir de 19h-20h devant la salle qui auront l'occasion de vous maintenir là. Et pour qu'à partir de 21h, vous aurez accès à cette salle. Et jusqu'au petit matin, par la grâce de Dieu, je pense que Jésus-Christ fera des grandes choses dans vos vies. Vous serez délivrés, vous serez restaurés. Et d'autres auront l'occasion d'expérimenter Jésus-Christ, le salut véritable qui est en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment important. Parce que le but que Dieu veut atteindre, c'est que ton cœur soit à lui. C'est que le cœur de chacun d'entre nous soit à Christ. Maintenant, les miracles suivront après. Amen. Voilà, donc Dieu vous bénisse. Nous avons affaire à tous nos enfants spirituels sur Paris et ceux dans les banlieues. Et merci déjà, parce que ce soir, on a appris déjà que des personnes sont venues déjà des États-Unis sont déjà là. D'autres, une délégation déjà m'a appelé pour l'Allemagne qui seront la traite demain matin. Donc, des gens viennent de différents pays pour participer à cette réunion. Ce n'est pas une question de grâce, c'est une question de tu es malade et tu aimerais que Jésus-Christ te délivre. Donc, ne rate pas. Ne rate pas cette grâce-là, ne rate pas cette veillée, c'est demain à partir de 21h. Au lieu de 20h, c'est 21h, nous aurons la salle à partir de 21h, de 21h au petit matin. Voilà, donc j'encourage à tous mes enfants spirituels d'être là et on aura l'occasion de faire. Il y aura des grandes actions prophétiques. Ça, je vous promets, il y aura des grandes actions prophétiques et tout ça. Ne manquez pas cette rencontre de demain. Voilà, donc n'oubliez pas aussi, hein, parce que je précise très bien que le comité de l'organisation précise très bien de vous informer que chaque personne aura à 3 bouteilles de bain d'huile, il aura ça dans la salle. Et moi, j'aurai l'occasion de oindre des enfants. Parce que venez avec vos familles. Et ça, c'est le prophète Crasso qui se changera dessus, de oindre des gens. Et je vous ferai une action prophétique. Peut-être qu'on ne vous a jamais fait ça. Peut-être que vous voyez ça un peu bizarre. Je vais vous donner du sel. Vous allez aller aspecher dans nos maisons. Et ça doit des effets. C'est une action. Le prophète n'est pas là pour les prières seulement. Il est dans les actions prophétiques. J'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça, les phénomènes d'action prophétique. De nouveau, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Avant de vous parler de toutes les actions prophétiques. C'est un événement de taille. Chaque homme de Dieu a son onction. Je sais combien de fois Dieu m'a utilisé pour délivrer et restaurer des vies. Donc ne manque pas demain. Tous tes sorciers tomberont au nom de Jésus. Amen. Ils vont tomber au nom de Jésus. Amen. Ne rate pas l'événement. C'est un événement de taille. J'ai toujours dit que c'est Dieu qui vient maintenant vers nous. En fait, c'est nous qui devons aller vers Dieu. Parce que la dernière fois que Dieu s'est présenté dans le jardin, l'homme s'est caché. Voilà, donc Dieu n'a plus besoin de nous, c'est nous qui avons plus besoin de lui. Donc lève-toi là où tu es et viens cette veillée-là, demain, pour que tu expérimentes le miracle de Jésus. Voilà, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.